bienvenue sur HTV. Nous sommes au Salon du Cheval Grand Sud de Lunel pour cette première édition. Comme vous pouvez le voir derrière nous, les publics sont au rendez-vous, les chevaux sont là, s'entraînent. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui avec nous Anne de Equicor Training. Bonjour Anne. Bonjour Pauline. Enchantée de vous avoir avec nous aujourd'hui sur ce salon. Anne, que faites-vous ici ? Alors je suis venue ici présenter un concept d'entraînement à pied des cavaliers, entraînement hors selle, c'est-à-dire toute la préparation physique dont a besoin un cavalier pour être efficace à cheval, à l'aise et dans le respect de sa monture. D'accord, parce qu'en effet, le cheval est un sport, donc il faut une préparation physique pour pouvoir monter à cheval, que ce soit aussi bien pour le cavalier que pour le cheval, c'est bien ça ? C'est ça. C'est, pour moi, c'est être aussi bien entraîné que le cheval. Ok, donc en fait, c'est un peu comme un sportif de haut niveau qu'on entraîne au quotidien pour monter dans son sport, c'est bien ça ? C'est ça. Alors, il faut vraiment se mettre maintenant dans l'idée que l'équitation est un sport, comme vous le savez. Mais c'est vrai que ça n'a pas toujours été comme ça. Ça a plutôt été un loisir sportif et même pour certaines personnes, du transport, mais pas du sport. Aujourd'hui, on sait que c'est quand même un sport exigeant et on a besoin de travailler, de faire un travail de fond, exactement comme si on pratiquait autre chose. La gym, même le running nécessite un petit entraînement quand même. Alors Anne, donc on est ici au Salon du Cheval de Lunel pour cette première édition. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de votre parcours ? Comment on devient préparateur pour les cavaliers ? Alors je suis éducatrice sportive et cavalière depuis ma petite enfance. J'ai fait beaucoup de tours et de détours. Ça a été une reconversion, l'éducation sportive. Auparavant, j'étais dans le sous-vêtement et dans le sous-vêtement technique. Alors c'est vrai que j'ai toujours été près du corps. Ça m'a toujours un peu fasciné, le corps et le mouvement aussi. Je me suis très vite aperçue dans mon métier de coach, pilates, yoga, etc., que j'avais des cavaliers ou des cavalières qui me parlaient de leurs problèmes. Et j'étais assez stupéfaite de voir qu'ils ne savaient pas vraiment comment les régler. Ils pensaient à tout sauf au sport. Je vais chez le kiné, je vais chez l'ostéo, je fais de la méditation. Et l'entraînement et le sport, c'est où, c'est quoi ? Et puis il y a peut-être aussi une partie où on se dit, c'est peut-être le cheval qui a un souci. Donc on fait voir le cheval à un ostéopathe, ce genre de choses, alors qu'en fait, c'est peut-être juste le cavalier qui a besoin d'une condition physique. C'est peut-être juste le cavalier qui a besoin d'entretenir sa condition physique. Alors évidemment, ça passe par tous les plans. Ça passe autant par l'entraînement cardio que par la souplesse, que par la posture, par la tonicité, l'équilibre. On est quand même sur un élément vivant, quoi. Alors, vous parlez d'équilibre. Je suis passée sur le stand de Anne tout à l'heure et il y a des photos des ateliers qu'elle propose justement aux cavaliers. Croyez-moi, j'ai vu les photos, c'est vraiment du sport. Hein, parce que vous les mettez dans des positions, c'est vraiment un cours de gym en fait. Vraiment, on fait travailler tous les muscles du corps. Ouais, c'est plus qu'un cours de gym, c'est vraiment de la posture. C'est de la gym posturale et je fais ma petite cuisine avec mes connaissances en pilates, en yoga, en training fonctionnel. Et puis, une méthode d'abdominaux qui est très très intéressante, qui est vraiment issue du gainage profond. Et ça, c'est super à cheval. Donc en fait, en gros, Anne, si je comprends bien, pour le summer body de cet été, il faut venir vous voir. Voilà. C'est bien ça. Voilà, cavalier ou pas, que vous ayez un cheval ou non, que vous montiez à cheval, Anne, elle va vous faire des abdos de folie pour cet été, c'est ça ? C'est ça, non. Il faut penser que les abdos sont le groupe musculaire qui travaille avec les muscles du dos et que le dos n'est rien sans les abdos. Donc, l'équitation, c'est quand même un sport dans lequel on rencontre énormément de pathologies du dos, discopathie, lombalgie, etc. Je pense que c'est vraiment... Si les cavaliers veulent durer dans leur pratique, ils ont vraiment intérêt à s'entraîner. Alors, moi, j'ai une question pour les gens qui nous regardent et qui ne montent pas forcément à cheval et qui ne connaissent pas le monde du cheval. Quels sont les muscles qui travaillent le plus à cheval et qui sont le plus important de travailler, Anne ? Pour moi, c'est les abdos. C'est indiscutable. Ce sont les abdos qui vont faire travailler l'assiette, hein, et le dos. Donc après, évidemment, il y a une globalité d'engagement musculaire pour l'équitation. On travaille du bout des doigts, presque jusqu'aux orteils, quand on est à cheval finalement. Mais le plus important, c'est vraiment les abdos et le dos.
Bon, vous l'aurez compris, Anne, elle est là pour vraiment vous faire des abdos en béton et que vous soyez parfait à cheval et aussi pour le bien-être de votre cheval, parce que c'est très important. Un cavalier qui a une bonne assiette et une bonne posture a forcément un cheval en meilleure santé et qui travaille mieux, c'est bien ça ? Oui, il est beaucoup plus léger à cheval, il arrive mieux à se mettre en osmose avec le cheval. Alors attention, abdos en béton, non. Et puis ça dépend aussi des préférences motrices de chacun. Il y a des gens qui vont plutôt être dans les jambes, d'autres qui vont plutôt être dans le haut du corps. Mais globalement, on part du centre. Et le centre, c'est les abdos profonds dans le bassin. Bon. Dernière petite question, Anne, donc vous êtes basée ici en Occitanie, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu où est-ce que vous êtes basée et où est-ce que vous proposez cet entraînement pour les cavaliers ? Alors je propose cet entraînement dans mon studio à Aiguevive, à la limite du Gard et de l'Hérault, juste à côté de Lunel. Et puis évidemment je me déplace aussi dans les écuries, dans les centres. Je propose des ateliers, des stages. J'ai un site internet, equitraining.fr. Et voilà, je réponds à toutes les demandes. J'étudie toutes les propositions. Bon, eh bien, un grand merci à Anne de Equicore Training d'avoir été avec nous aujourd'hui sur ce Salon du Cheval de Lunel Grand Sud. On vous donne rendez-vous pendant tout le week-end. On est là jusqu'à dimanche avec vous. Il y a d'autres interviews qui arrivent ici sur HTV. Regardez comme on est bien ici au Salon du Cheval. Je vous dis à très vite pour de nouvelles interviews sur HTV. Merci. Bienvenue à tous, nous sommes sur le Salon du Cheval Grand Sud à Lunel, c'est une première, c'est la première journée aujourd'hui et vous le voyez derrière nous sur les images de HTV, nous avons les cavaliers, les chevaux qui sont en train ou de se détendre en carrière ou carrément de participer à un concours d'élevage, de présentation puisque ici les animations sont nombreuses. Tom Garcia est à mes côtés, c'est l'un des invités de notre plateau, bonjour Tom. Bonjour cher ami. Tom Garcia, c'est un artiste peintre, dessinateur. C'est surtout quelqu'un qui a créé son propre style autour des chevaux et des taureaux qu'il affectionne particulièrement et qui fait l'objet d'une exposition ici, dans la salle des trophées des arènes de Lunel. Tom, avant de parler de tes dessins, de tes peintures, j'aimerais qu'on dise un mot sur ton parcours personnel, qui est quand même un parcours très atypique, qui n'avait rien à voir certainement avec ce que tu fais aujourd'hui. Le parcours atypique singulier au niveau des chevaux. Jamais je ne dois mettre mes fesses sur un cheval. Jamais. Je suis enseignant de karaté à l'époque. Je participe à un stage chez Jean-Yves Bonnet, dans l'Aveyron. Et puis, la deuxième année, nous nous retrouvons sur des chevaux arabes, sur les chevaux de Jean-Yves Bonnet. Et là, nous sommes avec le grand maître japonais Hiromo Shizuki. Je vais faire rapide, c'est que lors de la dernière séance, nous avons pris les armes et puis on s'est mis une rouste. Maître Mochizuki nous a dit, mais cette discipline existe au Japon, on n'est pas encore sorti du territoire nippon. Donc ça s'appelle le Ba Jutsu, l'art de la guerre à cheval, Ba le cheval, Jutsu l'art de la guerre. Et nous avons décidé de développer cette discipline. Qui peut nous recevoir ? Qui peut nous recevoir avec 10 pieds nickelés qui ne savent pas monter à cheval, mais qui veulent tirer à l'arc au Yabusame,
avec des katanas. Eh bien, nous avons connu rapidement Jean-Charles Andrieux. Les cavaliers voltigeurs de France. Les cavaliers voltigeurs de France. Maître Mochizuki, puisque sur ce stage international de karaté, il y avait des Belges, il y avait des Allemands, des Hollandais, des Italiens. Les Belges organisent la première Coupe d'Europe, Coupe du Monde. Maître Mochizuki me confie les rênes de l'équipe de France. Nous gagnons en finale contre les Allemands. Ça leur rappellera Séville 82. Ça a été une boucherie. Non, parce que nous avions des Espagnols et eux avaient des traqueneurs et des anouvriers. On leur a présenté Jésus et les apôtres. Ça a été vite réglé. Et tous les saints qui vont avec. Exactement. Et la Fédé d'équitation, la FFKMA donc de karaté, n'a pas souhaité nous affilier. C'était trop dangereux. Et Charlie nous a dit, bah, écoutez, vous allez rentrer dans l'équipe. Donc voilà comment je me retrouve pendant 10 ans à faire de la poste hongroise, de la course de char, du tournoi de chevalerie, de la voltige cosaque et des tournages de films et la porte de Versailles et Bercy et la mode Beuvron, je crois que c'est aujourd'hui en plus. Donc voilà le parcours assez singulier donc de cavalier, les rencontres avec les tournages de films, les spectacles avec Lulu, avec Lucien Grus. C'est pour ça que je suis aujourd'hui ici et rapidement je suis passé à la peinture puisque je pratiquais le sabre japonais et la calligraphie japonaise m'a amené à ce style de peinture. Voilà le parcours singulier. Oui, singulier et raccourci, je vous le promets, parce que Tom pourrait nous parler de bien d'autres choses encore. Tu parlais de Jean-Yves Bonnet qui, pour certains, vous vous en souvenez, avait créé la route du sel, hein, de l'Aveyron jusqu'à Aigues-Mortes. Voilà, et beaucoup ont partager cette passion pour les chevaux. Et puis Jean-Charles Andrieux, qui est toujours d'ailleurs cascadeur, même si avec l'âge maintenant il en fait moins, mais il a formé d'autres cascadeurs et qui avait joué notamment dans le dernier Ben-Hur. Je reviens à Tom Garcia. Tom, parce que je disais que tu avais créé ton propre style. Et d'ailleurs là, on revient à une technique japonaise finalement. C'est ça qui t'a inspiré, la technique de ta peinture et de tes dessins? Quand je suivais les cours de Maître Hiro Mochizuki au sabre, on a aussi... sur la fin des séances, pour redescendre un petit peu, comme on fait avec les chevaux, un travail en calligraphie. Un maximum d'efficacité sur un minimum de gestes. Et j'ai voulu appliquer ceci à ma peinture. C'est pour ça que je peins uniquement à l'encre de Chine. C'est la technique de l'aquarelle. Avec beaucoup, on n'arrive pas au geste parfait. À la reprise de dressage parfaite, mais c'est pour ça que je jette beaucoup de feuilles. La preuve, c'est que lorsque Luc Jalabert, le rouetteur Luc, m'avait confié l'affiche de la Feria d'Arles, j'avais flingué un paquet et demi de feuilles, c'est-à-dire 150 feuilles, pour faire un tableau d'un taureau cabré, parce que Luc souhaitait avoir un taureau cabré. Mais Luc, les taureaux, ça ne se cabre pas. Et donc, j'ai bloqué sur un élément. Parce que le geste n'était pas parfait. Je me suis retrouvé, c'est vrai aussi grâce au sabre et à la calligraphie, et surtout grâce au cheval. Le cheval m'a amené beaucoup d'éléments sur la souplesse, sur le côté rêche, on va dire, et puis aussi l'enseignement de Maître Mochizuki, l'enseignement de Charlie, ce que j'ai pu voir chez Lucien, chez Marquez, chez Bartabas, des gens que... chez Mario Loracci... J'avais les bons modèles, mais la technique, c'est la technique du katana et la technique du pinceau japonais. Là, nous sommes vraiment dans le secret de fabrication de l'artiste. Hein. Vraiment, Tom, merci de nous livrer comme ça à l'envers du décor. Tu sais, ce qui est remarquable lorsqu'on voit une image fixe, c'est qu'elle nous donne l'impression qu'elle est vivante, comme la vidéo. On a l'impression de voir se dérouler un film, même si c'est sur un temps très court. C'est cette impression que tu veux nous donner ou c'est nous qui en avons simplement l'interprétation? Je pense que vous devez voyager. Quand le trait n'est pas parfait, je laisse beaucoup d'absence, beaucoup de silence. Je discutais tout à l'heure avec Hervé Morel, que je croise à Méjane, et je trouve sa reprise très simple, très douce, et j'anticipe sur d'autres allures. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous puissiez voyager par la suite. La même chose lorsqu'on pratique le sabre. C'est-à-dire que
Les intentions sont complètement cachées. Le hakama, donc kalaikidoka, c'est pour essayer de masquer le maximum d'éléments pour que l'emboi soit surprenant. Tu veux dire que presque nous, dans l'interprétation, on est en train de finir le geste. Tu nous laisses l'impression qu'on pourrait en tout cas le continuer. C'est tout à fait ça. C'est cette intention. Il faut que ce soit un sentiment. Beaucoup de personnes déjà sont passées, et je remercie les organisateurs, la ville de Lunel et tous les amis qui sont ici, qui propulsent donc ces personnes donc à cette expo. Les gens voyagent, ils me posent beaucoup de questions. Et c'est vrai que, tiens, si ce trait était présent, le tableau ne serait pas là. Nous sommes avec Tom Garcia, on va le laisser retourner dans cette salle des trophées des arènes de Lunel. Il est en exposition tout au long du salon jusqu'à dimanche. Peut-être aurez-vous la chance de le rencontrer, comme ce fut le cas pour nous aujourd'hui sur HTV. Et puis je suis sûr qu'il aura envie, comme il l'a fait là, d'échanger avec vous à la fois sur sa vie d'artiste et également sur ses inspirations, sur son fameux trait de crayon. Tom Garcia, ne manquez pas cette exposition, elle est remarquable et je vous invite à la découvrir au sein du Salon du Cheval Grand Sud de Lunel qui donc se poursuit jusqu'à dimanche. Merci Tom, merci infiniment de ta présence à nos côtés. Merci, merci à la production. À très vite. Nous sommes au salon Grand Sud, du Cheval Grand Sud, c'est le salon qui
pour la première fois se tient à Lunel. Nous sommes en pays Pescalune. Ravi de vous accueillir sur HTV avec, avec des artistes, une partie des artistes qui feront le spectacle de la Cavalerie Enchantée à l'occasion de cette soirée de gala qui sera proposée vendredi soir, vendredi 19, dans les arènes qui sont juste derrière nous. Alors c'est vrai qu'au contact de ces artistes, on a envie d'en savoir un tout petit peu plus et je ne vais pas me priver de vous présenter Marie Barcelot qui est à mes côtés, Pierre-Antoine Chastan qui est là et puis toute l'équipe qui les accompagne. Car le propre des artistes, c'est évidemment de partager, de transmettre et en l'occurrence, c'est ce qu'ils font avec les jeunes qui arrivent derrière nous. D'abord, présentation de Marie Barcelot qui est installée à Quissac dans le Gard, pas très loin de Lunel. Marie, c'est une aventure et une histoire familiale qui est la tienne du côté du Mas de Cire où vous êtes installée. Tout à fait, c'est une propriété que nous avons acquise il y a une dizaine d'années où nous avons installé toutes nos activités professionnelles. Donc l'élevage de taureaux pour mes parents, l'élevage de cochons pour ma sœur et la partie équestre pour ma part avec Pierre-Antoine Chastan depuis quelques années. C'était inévitable de monter à cheval ou en tout cas d'être passionné par les chevaux dans la propriété familiale? Oui, depuis toute petite, j'ai eu la chance d'être à cheval par le biais de mes parents. Alors au départ, c'était plus monter à cheval dans les taureaux, c'était plus une équitation de travail. Et c'est plus tard, à l'adolescence, que je me suis intéressée au dressage et ensuite à la voltige cosaque et donc au spectacle. Aujourd'hui, je ne peux pas dissocier Marie Barcelot de Pierre-Antoine Chastan, le grand gaillard qui est à mes côtés, musclé et surtout artiste. Ils se sont rencontrés, d'ailleurs c'était sur une manifestation équestre, et aujourd'hui ils partagent la scène et la vie aussi. Et c'est avec plaisir que nous allons les accueillir pour la Cavalerie Enchantée. Je vais tendre le micro à Pierre-Antoine Chastan parce que lui aussi a un parcours d'artiste avec les chevaux, mais aussi avec les arts circassiens. Pierre-Antoine, tu nous racontes ton parcours s'il te plaît? Alors moi j'ai eu un parcours un petit peu plus différent, j'ai commencé avec les arts équestres quand j'avais 14 ans. J'ai fait du spectacle pendant plusieurs années et après ça je suis tombé amoureux du cirque. Donc je suis parti au Canada pour la plus grosse école de cirque du monde, à Montréal. Et après j'ai été recruté par le Cirque du Soleil où je suis parti en tournée plusieurs années, dont Las Vegas. Et une tournée mondiale, États-Unis, Canada, Mexique, Russie. Et entre temps j'ai rencontré Marie. Et là, tout a changé. Donc, je me suis revenu à ma passion de cœur, le cheval. Et on a mêlé nos deux arts, qui sont les arts équestres et les arts du cirque, pour présenter le numéro que vous pourrez voir demain soir dans les arènes. Pierre-Antoine et Marie ont créé un numéro qui a fait sensation lors des Crinières d'or à Avignon au début de l'année. Quand je dis sensation, pardon, j'utilise un terme qui a été repris par la presse spécialisée. Je crois que vous avez fait les honneurs de bien des médias, la télévision et la presse spécialisée, parce que c'est un numéro qui mélange les arts équestres et l'art circassien ou les arts circassiens. Et c'était un numéro tellement réussi qu'il a beaucoup plu au public. Alors c'est une joie évidemment, et un honneur qu'ils nous font de présenter ce numéro à l'occasion de ce spectacle La Cavalerie Enchantée, où il va falloir mettre des moyens pour les suspendre à quelques mètres de hauteur. Un mot sur les arts circassiens, les arts équestres. À quel moment l'un, finalement, apporte à l'autre? Est-ce que, Pierre-Antoine, tu as été évidemment de bons conseils sur les arts circassiens, les porter, etc. Et est-ce que Marie t'a, elle, donné autre chose dans ses compétences? Oui, bien évidemment. Ouais. C'est vrai que nos deux arts sont liés, mais on n'est rien l'un sans l'autre. On avance tous les deux dans la création du numéro, que ce soit du côté équestre ou du côté circassien. On apprend, on a appris une nouvelle discipline. On a fait ce numéro-là, ça fait un an et demi qu'on travaille dessus. Avant ça, on ne touchait pas du tout à cet agrès aérien-là. C'était complètement nouveau pour Marie. Moi, pour ma part, j'avais déjà fait de l'aérien, mais sur un autre agrès qui était le trapèze. Et voilà, on a essayé de créer ce numéro-là sur qui on était, sur notre relation, sur notre couple et surtout notre troisième partenaire qui est Verdi, notre cheval de cœur et qui, lui, nous porte tout le long du numéro. On parle d'art circassien. Du coup, ils ont monté un chapiteau à la maison. Comme il y a du terrain, il y a un petit bout de terrain avec des taureaux, des chevaux. Ils se sont dit, tiens, on a trouvé la place, on va mettre un chapiteau. C'était une sacrée belle aventure, Marie, non? Pour le coup, ça, cette création, ce chapiteau et l'intention d'y proposer des spectacles.
Oui, ça a été un investissement, une prise de risque, mais aujourd'hui on est heureux parce que c'est une salle de spectacle vraiment magnifique où il y a une ambiance vraiment particulière en fait. Et c'est ce qui nous permet chaque année de faire une nouvelle création d'une heure et demie. Chaque année un nouveau spectacle. Cette année d'ailleurs, il sera joué du 20 juillet au 31 août tous les jeudis. Et donc on a voulu cette année axer le spectacle sur le thème de la famille, l'amitié, la convivialité. Voilà, c'est des valeurs qui nous sont chères. Et donc on va pouvoir mettre en scène toutes les disciplines qu'on pratique, que ce soit la voltige cosaque, l'aérien, comme disait Pierre-Antoine, la liberté, le dressage haute école et encore plein de surprises autour de ce thème-là. On va présenter les petits jeunes qui sont autour, hein, Marie ou Pierre-Antoine, qui veut nous dire qui est qui? Alors, ce sont nos élèves qui nous suivent depuis... qui sont tout petits et qui maintenant ont acquéri un super niveau, que ce soit en dressage ou en voltige, et qui ont la chance, lors de ce salon ici à Lunel, de présenter leur tout premier numéro avec leurs chevaux en public. Alors non, pas tout premier, parce que Martin avait déjà présenté un numéro au Salon du Cheval d'Avignon avec son cheval Galoupo. Et là, on a Lise Marie qui présente aussi un numéro de danse et de voltige avec son cheval aussi, Van Gogh, et Rachel qui fait partie aussi de l'école. Voilà, on est très fiers d'eux, très heureux de les accompagner sur ce chemin, sur cette voie artistique. On espère qu'ils voudront continuer. En tout cas, ils ont le talent pour et nous, on croit en eux. Écoutez la voix de Lise Marie. Je l'interview pour la première fois parce que c'était son premier spectacle. Lise Marie, un peu tendue tout à l'heure parce que c'est quand même une responsabilité. Mais finalement, j'ai trouvé que ça s'était bien passé, que le public avait été au rendez-vous aussi. Effectivement, j'étais assez stressée au début parce que c'est le premier salon de mon cheval. Mais finalement, il a joué son rôle et tout s'est bien passé. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à dérouler. Hein. Il y a un spectacle midi, un spectacle soir, donc ça va aller de mieux en mieux, y compris pour le cheval qui prend ses marques et c'est normal. Rachel, qu'est-ce que tu fais dans l'équipe aujourd'hui? Je groom, j'aide dans les coulisses et au bord de la carrière. Et c'est un rôle super important. Pardon, je me glisse. Pardon, Marie, je me glisse un peu entre vous tous. C'est un rôle super important parce que c'est le rôle de l'ombre. Vous savez, quand les chevaux arrivent en piste, il aura fallu les détendre, les sceller, les tresser et les habiller. Mais à la maison, elle est sur scène aussi avec son cheval. Voilà. Ici, elle groom, mais elle participe à d'autres spectacles aussi. Alors, Martin, qui est à mes côtés, qui est là, a présenté un numéro très original, mais je vous laisserai le soin de venir le voir au salon, parce que c'est quand même l'intérêt, avec trois équidés sur piste. Ah oui, trois, c'est pas rien. Martin, au quotidien, travailler avec Marie, travailler avec Pierre-Antoine, c'est quoi? C'est du bonheur? C'est de la contrainte? C'est attention, ce sont les maîtres, j'apprends? Alors moi, je dirais que c'est une vraie chance. Parce qu'ils ont tous les deux leurs qualités et du coup ils m'aident beaucoup, que ce soit dans le dressage des chevaux, aussi pour monter mes numéros. Et non, moi c'est une vraie chance et je suis très très content d'être à leur côté et de travailler avec eux. Bon, c'est pas toi qui vas piloter la grue demain au spectacle, hein? Oui, il fait remonter les agrès, etc. Il va faire moteur. Martin, juste une petite chose. J'ai vu que tu avais un soin tout à fait particulier dans la présentation. C'est l'harnachement du cheval, la propreté, la tenue du cheval. C'est aussi la tenue que l'on porte. Faire du spectacle, c'est aussi ce qu'on t'enseigne. C'est être différent de la vie quotidienne. C'est ce qu'on va offrir au public qui a payé sa place pour venir. Ah, complètement. Je mets un point d'ordre à ce que mes chevaux soient irréprochables et soient propres, parce que c'est important, c'est l'image qu'on donne de nous. Et pour leur bien-être aussi. Et du coup, voilà, c'est très important pour moi que mes chevaux soient bien tressés, qu'ils soient bien propres. Et moi également. Je t'ai vu balader dans les allées du salon avec des ânes. Ils sont à toi? Et oui, c'est mes ânes. C'est, Tu ne te déplaces jamais sans tes ânes, en fait. Ben, maintenant, oui, c'est ça. C'est deux petits ânes là, que j'ai achetés récemment, qui ont donc rejoint ma cavalerie et que j'ai commencé à dresser. Et aujourd'hui, ils sont présents sur le salon de Lunel pour leur premier spectacle en extérieur. Et ouais, c'est, alors, un salon digne de ce nom, ce sont à la fois des artistes confirmés, vous l'avez compris, des artistes en devenir et un vieil animateur que vous avez devant vous. En tout cas, on était ravis de vous recevoir devant nos caméras de HTV. On a un petit peu de temps pour se détendre et tout. Puis après, ce soir, vous allez rentrer dans les répétitions pour le spectacle de demain et chacun se produira sur le cabaret caisse pour l'équipe qui est à nos côtés. Merci de nous avoir suivis sur HTV. On a d'autres invités dans la continuité de ce salon et j'espère que vous allez prendre le temps de venir nous voir jusqu'à
dimanche. Venez pas la semaine prochaine, on sera plus là. On aura enlevé même le sable des carrières. Hein. Merci à toute l'équipe du Mas de Cire. C'est à Quissac, dans le Gard. C'est un petit peu après Sommières. Et surtout, allez sur les réseaux sociaux parce que vous avez toutes les infos. Vous allez découvrir l'affiche du nouveau spectacle, particulièrement réussi, je le dis. Ce n'est pas de la flagornerie. Je trouve qu'il y a de la classe dans l'image. Il y a du mystère. Il y a aussi ces valeurs humaines dont vous parliez tout à l'heure. Donc, allez, régalez-vous comme nous nous régalons. À très vite sur le Salon du Cheval Grand Sud. C'est une première. C'est à Lunel. Merci à tous.